les citoyens ressentent de l'insécurité dans certains quartiers. Défi fait de la sécurité une thématique essentielle de son programme communal. Défi exige du gouvernement fédéral de revoir le financement des zones de police en vue du recrutement de nouveaux policiers pour ces zones de police et en adaptant le cadre opérationnel à la croissance de la population dans la plupart des villes et des communes. Défi souhaite spécialiser la tâche d'agent de quartier et renforcer la collaboration avec les antennes de police de proximité. Initiées à Schaerbeek, les antennes Koban sont des micro-commissariats de police comprenant de 2 à 10 policiers. Ce concept qui vient du Japon a fait ses preuves. Ces petits postes de police permettent de renforcer la sécurité publique et aboutissent à d'excellents résultats en matière de baisse de la délinquance et de la criminalité. Défi entend développer la médiation au sein même des justices de paix et des quartiers. Le projet sera réalisé en collaboration avec les services sociaux et communaux des communes concernées. Défi prévoit le développement de caméras intelligentes qui permettront une intervention rapide et décentralisée là où cela s'impose, notamment pour lutter contre les incivilités. Défi prend l'engagement de la tolérance zéro pour toute forme d'incivilité. Défi entend réaliser un plan lumière durable, mettant en valeur le patrimoine communal et permettant un meilleur sentiment de sécurité en soirée, tout en diminuant globalement la consommation d'énergie. Enfin, Défi entend développer le système de télépolice pour les commerçants, ainsi que pour les autres professions à risque, tels que les médecins ou les pharmaciens, notamment en accordant une prime communale à son installation.